Good morning, allez, den les tuteurs aujourd'hui. Le chemin Amram Yona ben Chana Pegi bat Esther Nissim ben Naouda Michano Beka aussi le fatou de bat Kolodin Traina Simcha bat Masoudi Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserchet Edouyot Per Gimel Mishnah Yudalef. Af hu amar shlosha devarim leakel. Mechabdin ben Hamitot. Omanichin et amugmar beyom tov. Veosim. Gedi mekulas beleile psachim vachachamim osrin. On continue avec trois points sur lesquels Rabban Gamliel pensait différemment de Chachamim. Dans la Mishnah Yud, on avait appris trois points sur lesquels Rabban Gamliel était plus machmir et faisait comme Bet Shammai. Maintenant, on va découvrir trois points sur lesquels Rabban Gamliel était plus mekel, était plus permissif, permettait plus de choses que Chachamim. Trois halachot qui vont concerner Yom Tov et Shabbat. Mechabdin ben Hamitot. On a le droit de balayer entre les lits. De quoi parle-t-on exactement? C'est simple, il y a le Shabbat, on n'a pas le droit de balayer une terre battue. Balayer dans une maison qui est un revêtement, que ce soit du carrelage, que ce soit un parquet, c'est permis, il y a des chumrot pour les Ashkenazim, c'est un peu plus complexe, cela n'est pas notre sujet. Mais en tout cas, on a le droit, théoriquement, à un parterre recouvert avec un revêtement, donc on a le droit de le balayer. Par contre, si c'est de la terre battue, même dans une maison, alors il y a une xerat rachamim de ne pas balayer. Rapporté dans le siman, Shin Lamed Zayin, dans le Shulchan Aruch, c'est tranché qu'on n'a pas le droit de balayer une terre battue. Pour quelle raison? Plusieurs raisons évoquées, essentiellement la raison de Machvé Goumot. Il y a, lorsqu'on a de la terre battue, le principe est simple et on risque de transgresser un interdit de la Torah. Il y a, lorsqu'on a porté en terre, parfois il y a des petites crevasses qui se forment. Et puis, il suffit qu'avec le balai, on va vouloir passer la terre pour pouvoir aplanir. Et bien, aplanir un terrain, ça, on transgresse en cela un interdit de bonnet. D'accord? Il y a ici en cela un interdit de bonnet. Ça, c'est l'interdit général selon tous les avis. Maintenant, Rabban Gamliel permet, lorsque l'on mange, à l'époque on mangeait par terre, on a vu sûrement des petits tapis, je suppose, et il y avait là-bas, dans le petit coin où est-ce qu'on mangeait, entre les tapis, il y avait là-bas des petites miettes qui pouvaient s'accumuler, qui pouvaient se déposer et tomber, entre les tapis, à cet endroit précis. Alors Rabban Gamliel dit, écoute, sur une petite superficie pareille, je te permets d'être Mechabed Ben Amitot, de balayer entre les mitot, les petits tapis, ça s'appelle des lits, c'est en fait des petits... D'accord, des petits matelas naturels sur lesquels il s'asseyait. Donc, entre les lits là-bas, on va pas craindre qu'il va y avoir bidouk à cet endroit-là, une petite crevasse que tu vas te mettre à boucher. Tu as le droit de ramasser les miettes et Chachamim, malgré tout, interdisent. La halakha est établie comme Chachamim. Deuxième point, Umanichin et Amugmar Beyom Tov. On a le droit de poser le Mugmar, c'est de l'encens, à Yom Tov. De manière générale, c'est quelque chose qu'on a souvent répété dans les 5 minutes lorsqu'on a abordé l'Ilchot Yom Tov, dans le livre 5 minutes éternelles, qu'on a tendance à croire qu'à Yom Tov, on a le droit d'allumer le feu. À Yom Tov, on a le droit de cuisiner. C'est pas exact. C'est une phrase qui n'est pas exacte, qui a un grave problème dedans. On n'a pas le droit d'allumer le feu à Yom Tov. On n'a pas le droit de cuisiner à Yom Tov. À Yom Tov, on a le droit de préparer son repas. C'est-à-dire... Ce qui est nécessaire, ce qu'on a, la Torah elle m'a dit, à Yom Tov, c'est pas aussi strict que Shabbat, tu as le droit de préparer ton repas. Sorti du cadre de la permission de la préparation du repas, il y a un interdit d'allumer le feu. Si par exemple, ce que vous ferez pour vous, les bénis Israël, et pas pour un goy. Si je reçois un invité goy, à Yom Tov, et que je vais mettre à lui faire cuire un œuf, je transgresse un interdit de Bichoul, je transgresse un interdit de Yom Tov, parce que je n'ai pas le droit de faire cuire pendant Yom Tov. Idem encore, il y en a qui veulent faire déborder une casserole d'eau pour éteindre lorsqu'ils allument le gaz. Bon, alors, si on utilise l'eau pour la boire, c'est permis, mais si on va se mettre dedans à mettre du savon, par exemple, pour mieux faire déborder la casserole et éteindre le gaz, il y a en cela un interdit, parce que qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est plus une cuisson, tu n'as plus le droit de faire cuire. Et t'as pas le droit d'éteindre non plus, t'as pas le droit de faire cuire, même déposer une casserole sur le feu. Si c'est pas pour la consommer, t'as pas le droit. Il y a des règles, il y a des cadres bien définis. Quand permettre, quand interdire. Donc en tout cas, faire quelque chose, le principe est clair. Maintenant, selon ce même principe, fumer à Yom Tov,
Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Je rentre pas dans le problème de la cigarette de manière générale, c'est une autre question. Mais fumer à Yom Tov. Alors là, le sujet essentiel sur lequel les poskim débattent est de savoir est-ce que c'est une nana. Là, il y a une insistance sur la Torah. Genre c'est la chem qu'il faut que ce soit d'avoir à chavel le chol nefesh. Quelque chose dont tout le monde ou la majorité, le commun des hommes, peut en profiter. En l'occurrence, la cigarette. Le commun des hommes profite d'une cigarette, même ceux qui ne fument pas pour raison médicale ou en général, la plupart des personnes peuvent se faire un plaisir à se fumer une petite cigarette de temps en temps. D'accord ? Partant de ce principe, c'est quelque chose qui est un ana'a à chaval les kol nefesh, un plaisir qui est considéré comme un plaisir commun à tous les hommes. Mais supposons maintenant qu'on va avoir une sorte, justement, c'est le cas de l'encens en l'occurrence, dans ce sens de notre Mishnah, qui est un plaisir que moi personnellement, après manger, m'allumer une encens, ça va rien me faire, à la limite ça va même, ça va pas du tout m'intéresser, c'est une odeur un peu lourde qui plaît pas. Pour certaines personnes uniquement, ils se font un petit plaisir à ressentir cette odeur. Alors là, ça s'appelle d'avoir chez Eno Chavé l'école Nefesh. Ce n'est pas un plaisir commun, et qui est un plaisir apprécié par le commun des hommes, uniquement par une petite minorité qui trouve en cela un plaisir. De ce fait, selon Chachamim, on n'a pas le droit de faire brûler une encens à Yom Tov, parce que c'est plus d'avoir un chavé l'Echol Nefesh. Il y a marqué « Achasher Yaseh Lachem l'Echol Nefesh », d'avoir un chavé l'Achem, pour tout le peuple d'Israël, ou au moins pour le Rov, pour la majorité, mais pas pour quelques petites personnes, une personne sur dix, un riche, il sait ressentir la petite délicatesse, la petite touche comme ça de cet encens. Le commun des hommes qui ne vit pas dans cette noblesse n'en tire pas un profit, donc c'est interdit. Et malgré tout, on a ici Rabban Gamliel qui dit, qui considère que c'est permis. C'est pas précisé pourquoi, ça se trouve dans Masechet Beitza, je ne l'ai pas revu récemment. En tout cas, lui, Rabban Gamliel, permet de faire brûler cet encens. Tandis donc que Chachamim, la halakha est établie comme Chachamim, ne permet pas de faire brûler l'encens parce que c'est pas quelque chose que le commun des hommes en tire un profit. Troisième point sur lequel Rabban Gamliel permet était plus permissif, c'était Ve'osim Gedi Mekulas Beleile Psachim. On le traduit littéralement, c'est un peu dur à traduire littéralement, on va essayer. Ve'osim Gedi, on a le droit de faire griller un Gedi, un Gedi, d'accord, on s'est compris, le fils du mouton. Ouais, ah, il m'échappe, c'est pas grave. Je ne veux pas arrêter de chier, on va recommencer, j'en ai marre. Ve'osim gdi mekulas pendant Yom Tov, donc un petit chevreau, je crois que ça s'appelle, bien sûr. Ah, l'agneau pascal, voilà l'agneau, ça m'est revenu. Ve'osim gdi mekulas beleile psachim. Donc le soir de Pessah, on a le droit de faire un gdi mekulas. C'est quoi un gdi mekulas? Un gdi mekulas, c'est un. Le mot mekulas, c'est un peu compliqué. Coiffé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui porterait le. Littéralement, qui porte. Une casda, ça va pas du tout le français aujourd'hui. Il met une coiffe, celui qui va en guerre, lorsqu'il met son armure, il a le casque. Le casque, donc ça s'appelait le kilous, casda. En tout cas, Gdi Mekula, c'est un agneau qui a ce casque. C'est quoi ce casque? En réalité, c'est simple. Il y a une halakha spéciale dans le Korban Pessah. On n'a pas le droit de casser les os. Lorsqu'on le fait griller, l'usage il était de le faire griller à l'époque du Beth Amikdash, de le faire griller en le sortant toutes les entrailles et en le mettant au-dessus de sa tête. De manière à ce qu'en fait, comme si qu'il était coiffé d'un casque d'armure. D'accord ? Concrètement, en fait, en réalité, Gdi Mekulas est une manière d'appeler, de faire griller un agneau entièrement. Selon Rabban Gamliel, on a le droit à Leil Pessah, le soir de Pessah à notre époque, alors que l'on n'a plus de Corban, on n'apporte plus l'agneau pascal, on ne peut plus aller apporter le Corban. Malgré tout, nous, on a, d'abord, on va commencer par Chachamim, on a l'usage de ne pas manger de viande grillée, même de la viande grillée, le soir de Pessah, on a l'usage de ne pas le manger, à plus forte raison de se faire un agneau, une grillade entière d'un agneau entier, c'est sûr qu'on ne va pas le permettre, de peur que nos enfants, ils vont voir, ils vont se dire, ah, mon père, il avait fait un Corban Pessah alors qu'il était. Alors qu'on était en France, qu'on était au Maroc, qu'on était en Tunisie, peu importe. Ouais, du coup, ils vont se mettre à apporter un Corban Pessah dans leur cours lorsqu'ils seront grands. Pour éviter ça, Chachamim, ils ont dit, à Pessah, ouais, on met en souvenir un morceau de viande grillée sur la table, mais même pas on le mange, on n'a pas le droit de manger. L'usage commun en général, il est de ne pas manger de viande grillée le soir de Pessah. Ben, selon Rabban Gamliel, on avait même le droit de manger de la viande grillée. Mais même de le faire griller entièrement, avec en plus de ça les entrailles, comme c'est l'usage du Corban de Pessah, les entrailles dehors,
le Zecher le Korban Pesach. Et comme ça, il faisait le souvenir de l'agneau pascal. Tandis que Chachamim va Chachamim Mosrim, les Chachamim interdisent. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.